Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produits par le FIRCA. Lola Code, plus connu localement sous le nom de agouti, est un rongeur dont la chair est très appréciée dans la cuisine ivoirienne. Face aux demandes sans cesse croissantes des marchés, le FIRCA et ses partenaires ont décidé d'appuyer Lola Code Culture par l'introduction de reproducteurs performants et une alimentation adaptée aux besoins nutritionnels de l'animal. Tout savoir sur Lola Code Culture, c'est un reportage des équipes de Terre et Progrès. L'agouti, de son nom scientifique Lola Code, est un grand rongeur tropical vivant à l'état sauvage et très apprécié pour sa chair par de nombreux consommateurs en Côte d'Ivoire. Il a été conduit en milieu domestique pour son élevage à l'aide de techniques modernes. Cet élevage est appelé Lola Code Culture et les éleveurs sont des Lola Code Culteurs. Il a vu le jour en Côte d'Ivoire dans les années 80 dans le cadre de la diversification des sources de revenus des populations rurales, d'une part, et de la préservation de cette espèce, d'autre part. Lola Code Culture a connu son premier envol en 1995 avec la construction de Lola Coderie, de l'école de faune et des aires protégées de Boisflay. Depuis lors, l'État ivoirien a cessé d'œuvrer pour le développement de cette filière, d'abord à travers le PACIL, projet d'appui à la commercialisation et aux initiatives locales, puis avec le PNPA, Programme national pour la promotion de Lola Code Culture, conduit par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Démarré depuis 2009, l'appui du FIRCA a apporté un souffle nouveau qui permet aujourd'hui à la filière de s'organiser et de se maintenir à flot. La plupart des parents ont des élevages pour pouvoir faire la formation. Et la première formation a été étendue sur les femmes à Boisflay, l'école des faunes de Boisflay. En dessous de là, maintenant, nous sommes venus construire nos bâtiments même à nos propres moyens. Et le passé nous a fourni des animaux en nature. Et nous donnons deux noyaux par personne. Nous les formons, nous avons 50 personnes qui ont été formées. Et après les mises bas, on a remboursé les 10 têtes, les 8 femelles, avec 2 mâles, en jetant 5 femelles encore, pour voir que l'activité puisse prendre le relais en Côte d'Ivoire. Identifiée comme une activité génératrice de revenus et relativement aisée à intégrer dans les systèmes de production des paysans, l'intérêt croissant pour Lola Code Culture sera couronné en 1998 par la mise en œuvre du Programme national pour la promotion de Lola Code Culture, PNPA, à Boaké, transféré depuis 2002 à Toumaudi. Ces programmes sont logés ici depuis 2002. 2002 parce que ça nécessitait un déplacement de Boaké à Toumaudi. C'est là que nous sommes venus chercher refuge avec les quelques têtes que nous avons pu sauver et en nos viniculture et en nos aquaculture. La première phase du PNPA, dite phase pilote ou phase de pré-vulgarisation, qui s'est étendue de janvier 1998 à décembre 2000, a testé, évalué et validé les conditions d'installation et de développement de Lola Code Culture en Côte d'Ivoire à partir d'un cheptel de base importé du Bénin. La seconde phase, démarrée en 2001, fut arrêtée en raison de la crise sociopolitique de 2002. En 2010, sur requête des Lola Code Culteurs installés dans le cadre du PNPA, encore actif, le FIRCA a initié et financé un projet de renforcement de leurs capacités techniques de production et d'amélioration de leur approvisionnement en reproducteurs de qualité. L'association des ASN a écrit le FIRCA qui vient à l'appui au centre de Toumaudi, ACEP, d'expérience, que puisse agrandir le coin et faire développer des animaux dedans pour pouvoir relancer encore la filière au-delà du col au niveau du centre. Et le FIRCA aussi nous a approuvé, il a accepté le projet en même temps. Il a réhabilité le centre de Toumaudi avec l'appui des animaux pour pouvoir avoir accès des animaux. C'est comme ça que nous sommes rentrés avec le FIRCA. Le programme national pour la promotion de la Côte d'Ivoire a été initié depuis 1998 sous la houlette de l'État de Côte d'Ivoire. Ce programme, pour son financement, peine souvent à survivre. Dans ce sens,
Le FIRCA est devenu, depuis les années 2015 même, un acteur incontournable dans le financement des activités du PNSO. Avec d'abord, depuis 2015, avec le projet pour la consolidation de la capacité de production de l'accorderie centrale de Toumoudi, piloté par le PNPA. Et ensuite, ce partenariat, ce financement a continué avec une première phase, une deuxième phase, jusqu'aux années 2019. Ça a pris fin. Et ensuite, il y a eu encore, le FIRCA nous a appuyé dans la formation des membres des sociétés coopératives du centre-nord de la Côte d'Ivoire, avec une formation des acteurs en décembre 2021. Donc, ce qui nous a valu le mérite de former 30 responsables de ces différents scopes qui sont aujourd'hui opérationnels sur le terrain. L'appui du FIRCA a en outre permis la construction et la réhabilitation des infrastructures de base du PNPA, la mise à disposition de matériel holacodicole et d'équipements de formation. Cet appui a également facilité l'acquisition de 200 holacodes, reproducteurs parentaux, qui permettent, par an, de produire au moins 500 nouveaux reproducteurs. Enfin, ce soutien permet de former 150 éleveurs et 25 techniciens d'élevage de l'ANADER chaque année. L'appui du FIRCA au PNPA à travers le dispositif de production de reproducteurs performants ajouté aux poules d'holacodiculteurs regroupés au sein de l'Union des coopératives des holacodiculteurs de Côte d'Ivoire, UCOPACI, vise à contribuer à la satisfaction des demandes de plus en plus croissantes en reproducteurs et en viande d'holacode, très appréciée par les populations ivoiriennes. L'holacodiculture est une activité que tout le monde peut mener et qui ne prend pas beaucoup de temps, qui n'est pas aussi harassant. Concernant la viande de consommation, comme on le dit, aujourd'hui, en achetant une bête au PNPA, je me rends compte que je suis exempt de toute maladie. Parce que nul n'ignore comment les animaux sont capturés dans la nature. Donc, avec avec l'élevage, c'est de la viande saine qui est offerte. Et puis, essayer de m'installer pour aussi profiter pour installer d'autres personnes. Et je compte travailler en collaboration avec le programme. J'ai fait la formation le 11 octobre 2021, ici même, à Toumoudi. Et je suis allé faire les cases de choses, les enclos, j'ai fait les bâtiments et aujourd'hui, Dieu merci, je suis venu prendre les bêtes pour aller faire l'élevage. Nous avons deux bâtiments qui servent d'expérimentation et on a un grand bâtiment qui sert de production. Nous travaillons en fonction du schéma que vous voyez présenté ici. À partir de notre production, nous alimentons le cheptel national, c'est-à-dire que les holacodiculteurs formés et installés, nous leur mettons à disposition des reproducteurs performants en vue d'intensifier cet élevage-là sur le terrain. À partir de cette même holacoderie aussi, nous alimentons le marché aussi en viande holacode. Et comme on le dit là, il faut produire de la viande saine pour pouvoir satisfaire la population. Donc à travers ces élevages installés un peu partout dans le pays aussi, nous retournons par la suite prélever des noyaux avec les holacodiculteurs installés en vue de toujours étendre l'activité de l'holacode. Ici, notre formation est faite en deux phases. Nous avons une formation théorique et pratique. Pour celui, par exemple, qui est illettré, nous mettons vraiment l'accent sur la pratique. De sorte à ce que la personne puisse réussir cette activité une fois formée. Après la formation, on ne se limite pas là. Nous vous accompagnons aussi dans la mise en place des infrastructures. Après avoir mis les infrastructures, nous vous livrons un noyau qui est constitué d'un mâle, 4 femelles, pour que vous puissiez débuter votre activité. Afin de trouver une solution à l'absence d'aliments de qualité pour les holacodes en élevage, le FIRCA a financé dans son programme annuel d'action 2014 le projet de mise au point d'aliments complets adaptés aux holacodes. Ce projet, mis en œuvre par le laboratoire de zootechnie et production animale de l'École supérieure d'agronomie, EUSA, de Yamoussoukro,
a permis de concevoir, à partir de matières premières locales, des aliments performants adaptés à chaque stade physiologique de l'Olacode. Ce sont des aliments que nous avons testés qui sont très performants. Par exemple, nos aliments permettent de réduire la durée d'élevage de moitié. Parce qu'avec le fourrage, l'éleveur est obligé d'attendre jusqu'à un an pour vendre son animal, qui va peser autour de 2 kg, 2,5 kg. Et avec nos aliments, vous obtenez ce même poids, mais au bout de 6 mois. Et en plus, ça réduit de façon drastique le taux de mortalité dans les élevages. Les effets induits de l'olacodiculture sont la réduction de la pression de chasse sur l'olacode sauvage et des pratiques de feu de brousse. Ainsi, l'olacodiculture, cette nouvelle spéculation d'élevage, est une bonne illustration de diversification agricole, de conservation de la biodiversité et d'exploitation rationnelle de la faune sauvage tropicale. À ce jour, les conditions sont réunies pour une pratique optimale de l'olacodiculture qui constitue un moyen permettant de mieux valoriser cette espèce animale sauvage sur les plans à la fois alimentaire, économique et scientifique, tout en contribuant à la sauvegarde des écosystèmes. Le FIRCA demeure engagé aux côtés des acteurs de cette filière pour son développement. Le programme national pour la promotion de l'olacodiculture est un franc succès sur le plan économique et son impact sur la protection de la biodiversité est extrêmement positif. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les trois actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.